Amoudi Diamet, arbitre international Algérie. Je suis né 10-12-1970 et je suis sur la liste des arbitres internationaux FIFA depuis 2002. Je suis venu sur l'arbitrage parce que j'étais avant un arbitre, j'étais avant un joueur de football. Depuis les jeunes minimes, cadets, juniors. Et à partir du junior, je suis rentré au milieu de l'arbitrage parce qu'il me plaît et parce que c'est un milieu de plaisir et qui a beaucoup d'objectifs et j'ai voulu être un arbitre international. La préparation à la Coupe du Monde, ça fait depuis notre pré-sélection 2012. On fait un grand travail avec la commission d'arbitrage sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan pratique, ainsi que sur le plan psychologique. Je pense qu'on a fait un travail pour être un arbitre sur le terrain, pour avoir beaucoup d'émotions sur le terrain, pour lire les actions de jeu, pour lire les intentions des joueurs, pour anticiper, pour protéger le jeu et les joueurs et pour faire le plaisir au jeu et pour les spectateurs. La Coupe du Monde, c'est un rêve de tous les arbitres. Parmi ces arbitres, je suis et je souhaite être à la hauteur de la confiance de la Commission de la FIFA ainsi que de la Fédération internationale de football association et de nous donner le meilleur de nous ainsi que de faire prouver à tous les spectateurs le travail qui a été commis depuis 2 ans. Moi, avant de rentrer à l'arbitrage, j'avais aimé beaucoup la natation. C'est mon premier choix dans la vie, c'est aimer la natation et après le football. Je pense que Dieu, il a voulu que je fasse une carrière sur l'arbitrage et je remercie le Dieu.